Salutations, ici à Kushinryu. Reprenons de là où on en était. On va devoir faire un truc qui est quasiment irréalisable. On va essayer de détruire le Goliath. Et nous, tout simplement s'enfuir. Dans la merde. Fallait bien que ça arrive un moment. Je pense qu'on va tenter de fuir parce que je sais pas assez de dégâts pour pouvoir le faire tomber. Si j'avais accès à double, je pense que ça aurait pu jouer, mais là...
Je vais quand même essayer de choper 50 PDC. Allez, salut! Est-ce que j'ai eu les 50 PDC? On va voir ça maintenant. Ah bah non. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce que j'ai foiré en plus?
Elle est complètement débile la limite de selfie, faut se l'avouer. Abuser, mais bon, il suffit d'une petite wave et je peux plus m'en sortir. Je pense qu'on peut pas les couvrir avec barrière parce que c'est des dégâts magiques pour la shockwave. Six cent soixante-six HP. Ah, je vous avais dit que je serais mauvais avec la ligne de zèle. Allez, tombe. Wait, wait.
hériter la voiture. Peloton tient en retraite. Message reçu. Ouh la vache. Elle est petite la ville. Qu'on la traverse en 16 minutes quand même. Pourquoi on se bat pas avec une mitrailleuse étant donné que ça existe dans le jeu? C'est con ça, non? Cypher! Alors, ça a été? Nul. Ils n'ont fait que me jeûner. C'est vraiment dur d'être un chef. Tout le monde est santé sauf. Bien joué! Cypher. Par là-bas, je crois. Revenez à la BGU avant la nuit. Jusque-là, vous avez quartier libre. C'est bon, rompez. J'hallucine, quel égoïste. En avant pour la marche à pied. Salut Zelle, tu te portes bien? Oh, comme d'hab, toujours la pêche. Bien, n'oublie pas de faire de passer un petit coucou à ta maman. Manchila. Zelle, quelle surprise! Ce sont tes amis? Ici, c'est chez moi, alors soyez polis avec ma mère. Faites attention à mon zébulon.
Un petit souvenir avant de partir? On n'a pas grand-chose, mais bon. Ah ouais, effectivement, j'avais vraiment pas grand-chose. Il est temps de faire une revanche mentale. Pourquoi je tombe toujours sur un combat de plaine sur la plage? Tu vas crever dans d'horribles souffrances. Ah, c'est nul. On chope rien d'autre que des cailloux magiques. Ah,
enfin chez nous. Eh oui. Bon, j'imagine qu'on attend le résultat des épreuves. Le résultat se fait super vite parce que, bon, nous, c'est quelques jours, les corrections des copies, tout ça. À plus tard, Shinryu. À tout à l'heure. Je vais rentrer ce week-end alors. Je dois aller saluer mes parents. Bon. Mission accomplie. Je crois qu'on a fait du bon boulot. Les candidats sont tous rentrés sains et saufs, non? Sauf que nous n'avions pas compris que l'armée galbadienne visait la vieille tour satellite. Ah, il a une légère correction, Sid. Nous venons juste de recevoir un message du comté de Dolé. L'armée galbadienne a accepté de se retirer à condition que la tour satellite soit réparé et réactivé. Bon, en tout cas, Galbadia ne nous posera plus de problèmes. On aurait pu se faire plus d'argent s'ils avaient continué à faire du crabuge. Qu'est-ce que tu as ressenti là-bas sur le champ de bataille? Rien de spécial, comme d'hab. Comme d'habitude? Mon dieu, à quoi ressemble ton quotidien, Shinryu? Shinryu! Tu as entendu pour la tour satellite de Dolé? On serait devenus des héros s'il n'y avait pas eu cet ordre de repli stratégique. Tu ne cherches que la bagarre. Ma très chère instructrice, vous me blessez. Ce sont des mots cruels envers un jeune étudiant. En tant qu'exprof viré, je vous déconseille de me critiquer. Safer, tu n'es pas encore tiré d'affaire. C'est sous ta propre responsabilité que tu as quitté la zone de combat. N'est-ce pas le devoir du chef que de choisir la meilleure option? Tu ne seras jamais un Sid, et encore moins un chef. Safer, tu répondras de tes actes devant le conseil de discipline. Lors d'un combat, nous devons tous respecter le code de conduite. C'est dommage, tu avais un potentiel. Je ne veux pas faire de vous des machines de guerre. Je veux faire de vous des soldats qui pensent et agissent par eux-mêmes. Je suis... Proviseur, vous n'avez pas quelque chose à faire dans votre bureau? Il y a tant de choses à faire. Les étudiants qui ont passé l'épreuve de terrain doivent se rendre au premier étage. Je
Je répète, les candidats au test d'aujourd'hui doivent rejoindre le premier étage. Le train arrivera. Voie A. Pardon. Ils vont annoncer les résultats. Je stresse pas mal. Et toi? Tu sais ce que Fujin raconte? Que si Cypher ne devient pas acide, ça sera de ta faute. Ça me fait flipper parfois. Ah! P. Dinged, seul Dinged. Quoi? Génial! Allez, à plus les nuls! Shinryu, Shinryu, équipé, avancez s'il vous plaît. C'est tout, rompez. Ce sont les 4 étudiants ayant réussi l'épreuve d'aujourd'hui. Félicitations, jeunes gens. Dorénavant, vous êtes membres du CID. Vous allez parcourir la terre entière. Valorbe est fier d'offrir au monde le CID, l'élite des mercenaires. Un CID est un guerrier. Toutefois, le combat n'est qu'une des multiples aptitudes d'un Cid. Un jour, vous découvrirez. Proviseur, l'heure de la réunion approche. Faites court, s'il vous plaît. Le Cid constitue un atout précieux pour l'université. Sa réputation est intimement liée à chacun d'entre vous. Que votre conscience vous guide. C'est tout ce que vous voulez dire, monsieur. Voici les résultats de l'examen. J'attends la fête avec impatience. Tâche de faire de ton mieux. Essaye de maîtriser tes émotions. Bravo, un adepte de la Gunblade. C'est tout pour l'adoubement des Cid. Rompez les rangs. Shinryu, laisse-moi te donner ceci. C'est un mouchard de combat. Pour t'en servir, va dans le tutoriel. Choisis aide, info, puis rapport de combat. Ah. Thank you.
Après 17 ans de galère, me voilà aux portes du bonheur. Quoi, Shinryu? Hey, Shinryu, on retourne en cours. Mais qu'est-ce que t'as? Tu sais très bien que c'est obligatoire pour chaque nouveau cycle, non? On doit tous faire un discours en classe et ensuite, c'est le bal de la promo! Cid, cid, cid! Comportement. J'ai un score vraiment merdique. Hein. Comportement 30 points, jugement 30 points, attaque 20 points, intelligence 50, manière 30. En tant que vous signe, vous serez payé à. Ah non, on me signale qu'à la suite de coupes budgétaires, vous ne recevrez pas de salaire. Vous devrez donc vous débrouiller par vous-même. Merci de votre compréhension. Ah, je t'ai trouvé. Allez, dis-moi franchement, qu'est-ce que t'en penses? C'est mon uniforme de Cid. Moi, j'en pense que je vais clore cet épisode ici. Du coup, t'auras mon avis la semaine prochaine, ma chère selfie. À la prochaine.